Bonjour mes babies, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram. La routine automne-hiver, j'adore ce genre de vidéo. Si toi aussi tu kiffes, j'attends ton petit like. Donc du coup là je me réveille tranquillou avec mon petit chien. Parce qu'il faut savoir que mon petit chien, qui s'appelle Enzo, il dort avec moi. Et je viens aérer ma chambre. Bon, ça, c'est des trucs que les créateurs de contenu ne font jamais vous montrer. Mais oui, on va aux toilettes. Nous sommes des humains. Après, Loana, elle se pose dans le canapé. Elle va répondre à tous ses mails, tous ses commentaires YouTube, tous vos messages Instagram. Parce que oui, on répond énormément. On vous attend tous sur Insta, mes petites vies. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer la gelée royale. Alors, nous, le matin, on ne déjeune pas. Mais j'aime bien prendre la gelée royale quand on passe de l'été à l'automne pour éviter de tomber malade. En fait, ça sert à renforcer ton système immunitaire. Je rajoute un petit peu de citron et ça c'est super bon. Souvent je fais une cure de 10 à 15 jours. Notre moment préféré quand on passe à la douche. Là Loana elle vous montre un petit peu sa routine cheveux parce qu'elle est blonde. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à être blonde. Elle entretient son cheveu avec ce produit là qui est exceptionnel pour enlever tout ce qui est reflet jaune. Après elle vient poser un masque qui est hyper réparateur pour les cheveux. Mais quand je vous dis réparateur, c'est le meilleur des masques qui puisse exister sur cette terre. Franchement, c'est vrai qu'elle a vu une grosse différence sur ses cheveux parce que le blond, ça casse de ouf. Et lui, il répare vraiment en profondeur. Après, place au maquillage. Loana, elle fait des full face, fond de teint, anti-cerne. Elle vient tout estomper. Après, elle vient mettre du baking, son bronzer. Et attention, place au blush. Shiglam sponsorise cette vidéo. Merci à eux. Je vous en parle souvent dans mes lives TikTok. Parce que moi, souvent, je fais des lives où je me maquille et tout avec vous. Et honnêtement, les filles, vraiment, honnêtement, sincèrement, il est fabuleux. Il existe énormément de teintes, entre 10 et 20. Il y a des teintes qui vont de la couleur pêche pour les rousses ou alors plus du côté rosé. Enfin, franchement, vous avez grave le choix. Et je vous jure qu'il est super pigmenté. Il est pas sec. Il est quand même assez liquide, assez fluide. Donc franchement, il s'étale super facilement. Tu peux l'étaler au doigt, au body blender, au pinceau, vraiment comme tu veux. Et Loana l'utilise aussi sur ses lèvres. Comme ça, ça fait un petit rouge à lèvres assez naturel et très très joli. Et franchement, je vous le recommande à 10 000%. Après, on se prépare et on va aller promener le loulou. Il est trop mignon, je lui ai mis son petit manteau. Quand il pleut, je mets son manteau parce que sinon il est trempé quand il rentre. J'adore me balader en automne, franchement c'est l'une de mes saisons préférées. Et là avec Loana, on joue un peu avec le chien et en même temps on va ramasser des feuilles qu'on va venir faire sécher. Je vais vous montrer ça après, ça fait une petite décoration automnale. Nous on aime bien décorer notre appart pour Halloween, pour automne, tout ça. Du coup on a trouvé cette idée plutôt sympa. Quand on rentre, petite récompense pour la petite mascotte, les nonos. Ouais, c'est un grand fan de nonos. Et après, on vient faire sécher nos feuilles. Donc en fait, on met tout sur notre pouf. Et on va prendre notre petit déjeuner pendant que les feuilles sèchent. On a décidé d'aller dans un petit salon de thé qu'on adore à Lille. Et on s'est posé, on a pris un petit gâteau, enfin c'est un cheesecake, avec café pour bien se réveiller et se réchauffer. Et après on rentre à l'appart et on fait la décoration. Donc là nos feuilles sont sèches. On les dépose sur ce petit plateau qui vient de chez Action. Il est trop cute, il n'était pas très cher. Et cette déco ça fait vraiment une ambiance super chaleureuse avec la petite bougie tout ça.
Faut bien qu'on prépare à manger. Moi, j'adore cuisiner, comme vous le savez. Donc, Loana, là, elle fait la vaisselle pendant que moi, je prépare la table. Donc, on mange à deux. Bon, je vous avoue que de base, on mange dans le canapé devant la télé. Mais là, on a voulu se poser parce qu'on parlait un petit peu business. Du coup, on avait besoin de parler. Donc là, on va partir sur un gratin de pâtes au potimarron, les filles. C'est une recette qui est facile, qui est rapide et qui est de saison. Donc d'abord, je viens faire cuire mes pâtes et je viens couper mon potiron. Alors ma mère m'a dit que j'étais même pas obligée de couper le potiron. J'aurais pu tout simplement l'éplucher en quatre, puis en petits morceaux, en petits cubes et le faire cuire à l'eau. Mais bon, moi je savais pas, donc j'ai coupé toute la peau. Ça m'a pris beaucoup de temps. À côté de ça, j'ai coupé un oignon. Donc là, je mets un petit peu d'huile dans ma poêle. Je vais faire revenir mes oignons. Donc il faut bien qu'ils soient dorés. Et après, j'ai rajouté mon potimarron. Avec un petit peu de poivre et un petit peu de cube magie. Ça rapporte grave de la saveur. J'ai rajouté des allumettes de jambon. Tu peux mettre des lardons. Tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux. Des knackis. C'est vraiment selon les goûts. Avec un verre d'eau et une cloche. Et j'ai laissé cuire pendant environ 20 minutes. Une fois que c'est cuit, j'ai rajouté mes pâtes à l'intérieur, j'ai tout mis dans un saladier avec du gruyère et j'ai fait cuire au four pendant environ 20 minutes. Et franchement, le gratin, il est juste exceptionnel. Il est super bon, il est savoureux. Le potimarron, c'est vraiment très bon. Après, ça peut être particulier. Il n'y a pas tout le monde qui aime, on va dire. Et là, on s'est posé, on a mangé tranquillement. On a papoté de plein de choses qui vont arriver prochainement. Parce que sur YouTube, on va carrément changer notre style de vidéo. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. On va plus faire le genre de vidéo qu'on fait actuellement ou avant. Non, là, ce sera quelque chose de carrément différent. Donc, soyez au rendez-vous. Et j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. Si c'est le cas, gros like. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!